Bonjour Marie et madame. D'office, le bon monsieur, qui me paraît ne pas vous convenir. Donc, on va être très camarades, on va s'appeler Harry et Mandelbaum et Suzy Voltovitz. Il n'y a pas de madame non plus. Voilà. C'est parfait pour vous. C'est parfait pour vous. Bon, nous sommes très heureux d'être dans votre atelier et nous vous remercions beaucoup de nous recevoir. C'est avec plaisir. Voilà. Nous allons essayer, au cours de cette rencontre, de partager avec Harry Mandelbaum son monde intime. Harry Mandelbaum est un enfant de la guerre, avec toutes les fragilités et les forces qui en découlent. Juif, polonais, comme beaucoup d'autres, et dernier-né d'une fratrie de trois. Nous avons le plaisir d'avoir deux photos qui illustrent très peu l'enfance d'Harry Mandelbaum. Et voilà, on tâchera de les projeter en très grand dans le musée. Peindre a été très vite le grand départ vers une vie passionnante et très personnelle. Harry Mandelbaum a enseigné à l'Académie Duclle et a étudié aux Beaux-Arts de Bruxelles. Il se produit dans certains spectacles, surtout de Claude Schmidt. Revenons à l'exposition et à son titre. Le temps d'aimer est aussi le temps de l'histoire. Pouvez-vous nous commenter avec vos mots ce titre et nous en expliquer vraiment le sens et la profondeur ? D'abord, je voudrais juste rajouter une petite chose dans ce que vous avez dit. J'étais effectivement élève à l'Académie de Bruxelles à très court moment, principalement dans l'atelier de Léon Devos, je voulais le citer simplement, d'accord, et de Paul Fournier, qui m'a, lui, réellement appris à dessiner. Voilà, c'est important. Alors, si je devais parler de ce titre, qui n'est pas de moi d'ailleurs, hein, qui est, c'est un de mes grands amis, Michel Pourtois, qu'on verra sans doute tout à l'heure. Mais ce qui m'a intéressé dans ce titre, c'est qu'il mêle à la fois, et vous en parliez tout à l'heure, il mêle à la fois l'intime et le général. Je veux dire qu'effectivement, dans ce temps de l'amour, dans ce temps d'aimer, il y a toute l'histoire qui défile, toute son histoire. Vous savez, Jean-Paul Sartre disait que, je ne sais pas s'il disait ça exactement, à travers un homme, j'aime tous les hommes. C'est ça, oui. Mais c'est un peu ça, c'est dans ce sens-là aussi, non, évidemment. Mais ce temps d'aimer, ce temps de l'amour, évidemment, prend chaque fois, s'ancre à chaque fois dans quelque chose de précis, dans quelqu'un de précis, ou de quelque d'accord chose, quelqu'un de précis. Et ce quelqu'un de précis, ben, il existe, il ou elle existe bien sûr. Et en même temps, cette personne ou ce temps d'aimer est métaphorique de l'ensemble du temps d'aimer. Il n'y a pas de. C'est des strates, je dirais. Tout n'a pas la même importance, mais tout est important. Et c'est ce titre-là qui enfin, je veux dire que ma compréhension, parce qu'on peut comprendre. On peut le comprendre de différentes façons. Évidemment, et c'est dans ce sens que je trouve que ce titre est assez riche, parce qu'on peut le comprendre de différentes façons, et que, principalement pour moi, il mêle ce que j'ai toujours essayé de faire, sans des fois m'en rendre compte d'ailleurs. C'est peut-être maintenant que je m'en rends davantage compte, c'est de mêler l'intime au général. Et aller dans un va-et-vient toujours entre le particulier et le général. Et l'histoire générale. Alors, l'autre, je dirais, le sous-titre anglais. Nous y arrivons, c'est très bien. C'est parfait. Mais dites-le en anglais, vous le direz mieux que moi. Work of a decade. Voilà. On a aussi long, rappelez-vous, on a un peu hésité, les dix dernières années auraient été un peu lugubres. J'espère qu'il y aura encore une autre décade. Nous en sommes sûrs. On peut espérer. Moi, j'espère, je ne sais pas si les autres. Oui, il se fait que, effectivement, cette décennie est un peu particulière à différentes raisons. Elle a son poids de drame et son poids d'amour et son poids et le poids du travail. Je veux dire que ces 10 dernières années est grosso modo le temps
où je travaille dans ce grand atelier dans lequel nous sommes. Donc j'ai un petit atelier. Et grâce d'ailleurs à la générosité d'une famille, à la famille Klimis, et particulièrement à Sophie Klimis. Que je connais très bien. C'est vrai? C'est une amie, oui. C'est pas vrai? Oui. Je connais très bien toute la famille. Le papa Klimis, j'ai très bien connu. Vous avez connu, mais je ne l'ai pas connu. Ah, vous ne l'avez pas connu? Non. L'ancien, l'ancêtre de la firme. Ah oui. Et Sophie et ses frères, mais je connais surtout Sophie. Oui. J'ai très bien connu sa mère, Madame Klimis. Oui. Théodora. Donc voilà, c'est un hasard. Décédée. Dora, absolument. Ah bon? Elle est décédée en Grèce. Je suis vraiment très émue de ce que vous dites. Ah, mais voilà, ça c'est parce très intéressant. Parce que la personne que je connais le mieux, c'est Guy et Sophie Perrebaume, qui sont des gens vraiment, je trouve, d'une très grande humilité. Qualité, tout à fait. Voilà, vous voyez, vraiment, l'histoire se croise. On a l'exemple vivant. Et donc, ils m'ont autorisé à utiliser ce lieu-ci, que je ne loue pas, que je loue celui d'à côté, je comprends. Et ben voilà, ce lieu m'a permis aussi de développer un type de travail, une autre manière de travailler. Et tout le travail que j'ai fait dans les quelques séjours que j'ai fait à New York aussi. Et j'avais envie de montrer ces 10 ans de travail, quelque part, emmener ces 10 ans dans un lieu. Qu'est-ce qui a changé vos médiums, enfin, voilà. Parlez-nous du travail de ces 10 dernières années. Écoutez, je peux vous parler du travail. Mais je ne peux pas. C'est les autres qui peuvent voir ce qui a changé. Pour moi, c'est paradoxal ce que je vais vous raconter. J'ai un très très vieil ami peintre. C'est mon plus vieil ami peintre qui est encore en vie, Graf Clermans, que je vois de temps en temps. Il habite à Bruxelles. Et il regarde ce que je fais, il connaît ce que je faisais avant, et il dit, mais en fait, c'est la même chose. Et je crois qu'il a raison. Alors, le mot c'est différent, la même chose, vous l'avez prononcé. Différent, oui, c'est différent. Mais parce que je crois que à chaque moment de la vie, on est différent. Peut-être que ce qui est de différent maintenant, ce qui a changé, il m'arrive depuis deux ans maintenant, à peu près, même pas, d'utiliser du fusain d'une manière très importante, avec des noirs très très importants, oui. Et je travaille pour ça avec un fusain gros comme mon doigt. Il y a 2 ans, vous m'auriez dit que j'allais travailler, je vous aurais assassiné. J'essaye de trouver les fusains les plus fins, des allumettes, ou des aiguilles presque. Et vous verrez quelques dessins, là il y en a un, plus ancien, là, vous voyez, le petit dessin, le petit sexe, là, ou d'autres, c'est très différent. En même temps, bien sûr, je ne suis pas idiot, je m'en rends compte, mais en même temps, ce n'est pas différent. Il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas différent. C'est normal, la main, c'est la vôtre. Mais voilà, exactement. Vos yeux sont les vôtres. Vous avez exactement prononcé les mots qu'il fallait, voilà. C'est la même main. C'est votre main, ce sont vos yeux. Alors, il y a quand même des choses qui bougent, qui changent, jusque dans cette utilisation des différents matériaux, utiliser le papier plutôt que la toile, encore que je reviens maintenant à la toile pendant 10 ans. Je ne suis pas encore sûr de revenir vraiment, mais il y aura des toiles, ce qu'il n'y avait plus depuis 10 ans. J'aimais bien ce contact du papier collé au mur, de la frontalité. D'ailleurs, pour travailler les toiles, je les colle au mur aussi. C'est ça. Mais j'aime bien cette frontalité. C'est ça.